smoothie. Mais est-ce que c'est si bon pour la santé? Ça, c'est la question à 100 000 likes. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est la composition. Quelle quantité de fruits il y a dans ton smoothie? Parce que s'il y a 3 fruits dans ton smoothie, eh bien c'est trop. Parce que si tu regardes, est-ce que tu as déjà essayé de manger 3 pommes ou 3 bananes d'un coup? Non, c'est trop. Et en plus des fruits, eh bien tu trouves souvent dans les smoothies du sucre, comme le sirop de coco ou le sirop d'érable. Alors oui, c'est bon hein, en goût, mais additionné au sucre des fruits, ça fait beaucoup. Et en plus, des fois en garniture, t'as du granola ou des flocons de coco. Donc tout ça ensemble, eh bien, ça se cumule. Donc ton smoothie, oui, il est beau, mais il est aussi super riche. Hein. Il contient une grosse quantité de sucre, avec en plus très peu de fibres pour rééquilibrer l'apport. Donc à consommer avec modération.